Gameplay Palouse, vous avez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps qu'on s'est pas retrouvé comme ça pour aller se faire une petite vidéo gaming du jeu vidéo. C'est vrai que ces derniers temps, j'en ai sorti un petit peu moins, mais ça, on va en parler dans quelques temps. On est au 29e jour de mon mois, une vidéo par jour pendant un mois. Ça fait pile 29 jours que tous les soirs, vous avez la chance d'avoir une vidéo de Zach. Ça conclura demain avec Zach en roue libre, avec Magla, comme je l'ai noté ici. Il y aura la VOD demain soir, quoi, tranquille. Et je continuerai sur un très bon rythme derrière. Mais ça permettra également à Mathéo de souffler. Hein. Je pense pas rajouter à moi une vidéo par jour pendant un mois, ne serait-ce que pour Mathéo et ensuite pour moi-même. Mais j'ai remarqué vos retours sur mes dernières vidéos et j'ai vu ce que vous avez kiffé, j'ai vu ce qui vous a peut-être un petit peu moins plu. Et j'en suis très satisfait, sincèrement. Je vous fais un gros cœur, un gros big love pour les Zach en roue libre hashtag 100. C'était un Zach en roue libre spécial pour moi qui a été géré par Dwag. J'ai pu me livrer, j'ai pu discuter. Même dans les commentaires, certains ils me disaient: Ah, Zach, t'as eu besoin de parler. Hein. Ouais, j'avoue, ça m'a fait plaisir de discuter et de faire moi-même ma propre émission. Donc c'était de la frappe. Gros cœur sur vous, franchement, plus de 100 000 vues sur la VOD. Vraiment, comment je suis content. Je suis très content. Je vais être avec moi, avec vous, ça fait plaisir. On va aller sur Vanguard. Vanguard, ça fait quelques temps que j'avais pas fait une vidéo dessus. Aujourd'hui, j'ai envie de m'en battre les couilles et d'envoyer bordel, d'accord. Donc, j'ai déjà monté deux armes en or. Voilà, regardez, dans l'accueil, là, j'ai ma STG en or. J'ai monté la MP40 également, classique. Et là, en ce moment, je suis en train de monter à type 100. Donc, on va se faire une vidéo à la type 100. J'ai envie de jouer tranquille. Shipment et Das Haus, d'accord. Je vais vraiment à la cool. On va discuter et on va se la donner. C'est parti, baby. Aujourd'hui est une game où je sais que je vais devoir accepter la souffrance, d'accord? Je sais, je vais sur Das Haus, d'accord? Le mode Shipment et Das Haus, a.k.a. le mode fusil à pompe bis. C'est comme quand tu vas faire une séance de crossfit ou d'un truc de malade mental comme ça. Tu sais que ce sera bouclier dans le dos, fusil à pompe de combat. Et souffrance quasi certaine et infinie. Souffrance quasi certaine et infinie, mais tu sais quoi? J'accepte, je dis oui, j'embrasse ces souffrances. Vraiment, hey, je prends la souffrance, je me la mets dans le Hulk, mon gars. Donne-moi des souffrances, je veux souffrir, je veux galérer, je veux me prendre des coups de fusil à pompe et hurler parce que j'ai été trop heureux ces derniers temps. J'étais trop heureux, je mérite un peu de couilles, je mérite un peu de couilles dans ma vie. Je demandais des bites. Oh, voici une belle bite. Je reviens de Copenhague, les amis. Quel bonheur c'était! Vraiment, je vais être heureux avec vous. C'était vraiment de la grosse frappe. Je suis trop heureux d'y avoir été. C'était une très belle ville. Je me suis régalé et vos retours sur le premier vlog sont vraiment très très bons. Encore une fois, j'en parlais dans ma FAQ, tu vois. J'étais là en mode bon, c'est vrai, tu vois. Les vlogs, c'est pas ce qui fait le plus de vues, mais ceux qui prennent le temps de les regarder les aiment tellement que je peux pas leur enlever. Et moi, j'adore tellement faire ça que vas-y, les gars, ils prennent une chance, ils prennent le temps comme ça, tu vois, de laisser une chance à un contenu et ils kiffent, tu vois. Je peux pas. Donc, je répète ce que j'ai dit pendant. Oh, le petit double! Je répète ce que j'ai dit la dernière fois et je l'affirme encore une fois même. Plus fort que jamais. Petit chien, on est bien. Je ne stopperai pas les vlogs, ça continuera. Et je vous mets en description et plus en petite fiche là le vlog Copenhague numéro 1. C'est vraiment de la pure frappe, vous ne regretterez pas. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de ces 15 minutes de vlog, vous allez vous dire putain, de la frappe quand même, hein, c'était vraiment cool. Donc je vous fais confiance et puis voilà, c'est bien, on est tranquille. Ah là 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 là, arrive la première saison soon là. Il va y avoir la saison en plus où on va avoir le nouveau Warzone, là, la fusion Warzone X, X Vanguard. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Je vous cache pas que. Il m'a tué aussi loin, pardon. Attendez, je me permets. Regarde, attends. Oh, le scope en plus! Du coup, j'ai pas eu mes informateurs locaux! Les informateurs les plus chauds de la région! Ceux qui viennent et qui te disent la position des ennemis tout en étant torse nu! Ces mecs-là ne sont pas venus compléter mon arsenal de streak obtenu. Oh, j'ai bien le sub là. Attends, je voulais mes informateurs là, j'ai le sub. Bah, c'est pas grave. Donc, du coup, arrive la fusion Warzone Vanguard, arrive également. La saison 1 de Vanguard et j'ai hâte d'y être. J'ai déjà hâte d'y être. Comme vous le savez, Warzone, c'est pas un des contenus que j'ai le plus proposé sur ma chaîne. J'en ai même quasi pas proposé de Warzone en soi sur ma chaîne. Genre, c'est vrai que j'ai beaucoup fait l'impasse, mais je suis pas contre y jouer en ce moment. Tu vois, je n'ai jamais rien eu contre le jeu, même si c'était pas toujours ma cam. Et à l'heure actuelle, je pense que je vous en proposerai un petit peu. Quand il y aura la fusion qui sera totalement effective, tout ça, je regarderai pour vous en proposer un petit peu. Notamment, pourquoi pas parler de la mage? Je viens de prendre une dinguerie. Pourquoi pas parler de la mage? Pourquoi pas regarder ce que ça donne? Pourquoi pas tester un petit peu tout ça? Pourquoi pas... Tu vois? On s'ouvre les possibilités, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a eu moins de gaming sur ma chaîne. Et j'aime ça. J'aime le fait qu'il y ait moins de gaming sur ma chaîne. On va en parler, mais j'aime le fait qu'il y en ait moins. Mais celui qui y a, bah, je suis pas contre laisser une petite place à ça, tout en, bien sûr, suivant ce que va donner la saison 1. Parce que moi, je l'attends, cette saison 1, mon gars. J'attends la mise à jour de la saison 1. Je sais que la saison 1 de Vanguard va apporter une nouvelle map, va apporter le pass de combat, va apporter... nouvelles armes, etc. Et moi, Vanguard, même si la,
la massia populaire ne veut pas apprécier le jeu et dire que c'est un jeu de merde. Moi personnellement, vu que je passe de bon temps dessus, je suis absolument pas contre me la donner. Ils jouent tous au pompe, je suis obligé de jouer reculé. Je ne peux même pas avancer. C'est-à-dire que eux là dans leur tête ils vont se dire oh putain, ça que c'est un fils de pute, quand oui, c'est vrai. Mais à l'heure actuelle, il y a un mortier à ma gauche, il y a des pompes de partout, gros, je. C'est-à-dire que le jeu veut pas que j'avance là. Hop. Après je peux essayer peut-être de ramasser un pompe. Oh, un fusil à pompe. Est-ce qu'on n'essaierait pas dinguerie? Je vous cache pas que mon fusil à pompe, j'ose même pas y jouer. Enfin, je sais que vous aimez pas voir que des mecs qui jouent méta. Non! Ouf, j'ai activé mon code chiffré juste avant de mourir. J'ai pas perdu mes hirches. J'ai cru que j'avais perdu mes hirches, j'avais grave le seum. Là par contre, faut pas que je meure. Ouf, c'est bon, j'ai les hirches. Foncan! Ah, Foncan! Enfin, bah gros, je meurs, hein! Tu viens dans le spawn, tu veux que je fasse quoi? Connard! Donc je pense que je vous propose un peu de Warzone, j'ai hâte de voir la saison 1. En plus j'ai vu BF, il y a une mise à jour, le jeu va un petit peu mieux, pourquoi pas. J'ai vu que vous avez également apprécié ma vidéo sur Halo. Non c'est bien, alhamdoulilah, en ce moment il y a à boire et à manger chez Zach Nani. Je me sens bien dans mes contenus, je me sens bien dans mes bots, je me sens bien dans ce que je fais. Et j'espère que c'est également votre cas. Je pense vous proposer pas mal de bangers. Alors en plus, Loop, vous avez vu Loop ma nouvelle émission? Elle est enfin sur Spotify, d'accord? Ça y est, vous pouvez la trouver, vous tapez Loop l'émission, peut-être un truc comme ça sur Spotify, il y a les deux premiers épisodes, le troisième arrive. Et là en plus j'ai une émission spéciale qui va arriver avec Sardoche et Joël ce week-end. Oui, oui, je mixe Sardoche et Joël okay. Dans une émission, ça arrive d'être très funky. Je mixe Sardoche et Joël et on va faire une émission où on va classer les grands moments du Twitch français. Genre on va prendre les clips, les contextualiser et les classer pour essayer d'établir les plus marquants. Donc ça va être une émission de qualité, ce sera ce jeudi à 18h. Ouf, comme depuis le début sur Loop. Aïe, je suis à deux doigts de canner, mais ouais, c'est le feu partout. Mais c'est le feu partout. Mais on comprend rien, frère, je viens de spawn, à l'aide. Mais jeu de merde, allô. Mais je viens de réapparaître, mais c'est quoi ce streak? Laissez-moi vivre, mais j'en ai marre du feu. Ramenez-moi de l'eau partout, noyez-moi, mettez-moi la tête sous des litres d'eau. Bon là j'ai pas trop de chance de m'en sortir là pour le coup. 49 kills en plus, c'est moi qui ai le top fragard de la game, enfin quasiment. Bon, on est en train de perdre mais c'est pas grave. Donc non vraiment devant vous, vous avez un frérot qui est de bonne humeur et qui est très content d'avoir réussi à... Let's go, je l'ai tué. D'avoir complété ce... moi, une vidéo par jour pendant un mois. Je vous cache pas que... Oh, fils de pute. Quand j'étais à Copenhague et que j'avais rien, là, le 27e jour et que j'ai fait mon petit vlog... Parce que tu sais, le vlog où j'ai vu Simple. Donc en gros, je suis allé à Blast Première. Genre, j'ai eu full chat. En gros, je vous explique ma situation. C'est la deuxième fois dans ma vie que je vais dans une ville. Donc la première fois, c'était Berlin, le Starladder Berlin. Là, c'est la Blast Première. C'est la deuxième fois que je vais dans une ville au moment où il y a une compète CS. C'est même pas voulu, je fais même pas exprès. Mais au moment où je suis dans cette ville, bah tiens, il y a une compète CS et j'arrive à avoir des connexions pour réussir à avoir des places, tu vois. Des trucs sympas. Tu vois, Blast Première, j'ai pu voir Simple en vrai, j'ai pu kiffer le show un petit peu, tu vois, le bail. Fils de pute, va. Il est pas content. Ah oui, il a... Oh mais lui il a hurlé sa tante. Il a hurlé sa tante, mon dieu. Il était vraiment pas heureux lui. Tu sais quoi, je pense aux mecs qui... Je sais que même dans les gens qui me regardent, il y en a, ils jouent comme ça, je le sais. À chaque fois que je vous invite pour jouer et que je suis en stream, il y en a plein qui jouent comme ça parce que vous jouez méta. Et c'est pas grave, je vous en... La vie de ma mère, je vous en veux même pas de jouer comme ça. Mais je me dis, les gars qui jouent de cette manière sur le jeu, qu'est-ce qui vous anime pour jouer ainsi? Genre je suis sûr que ça doit être des moments trop détente. Genre vous rentrez de journée compliquée et bien chiante, vous prenez le pompe, vous allez sur Das OC Shipment, et à ce moment-là, vous expiez toute la merde que vous avez vécue pendant la journée. Une meuf chiante, boum, le patron relou, boum, le taf chiant, boum. T'es là, tu expies tout ce que t'as vécu au travers d'un gameplay bien crade, bien vénère, bien dégueulasse. Et vous kiffez ça, mais je le sais que vous kiffez ça. Ça fait de vous un peu des petits bâtards, mais vous êtes trop marrants, ça me fume vraiment. C'est vraiment des mecs sans foi ni loi, gros. Mais on aime ça, les mecs sans foi ni loi. Non, on aime pas ça, mais c'est pas grave. Quoi. Disons comment on en rigole bien, quoi. Ok, ils sont au fond. Ok, encore un kill, c'est pas mal. Hop, kinoscope, good. Non, mais encore! Mais ça fait beaucoup, là, non? Troisième feu man, là, on en a marre. On ne respire plus. Oh, devant tant de feu. Mais on ne respire plus. Mais on ne... Oh
Oh la commu, la commu, la commu, tout, tout, la commu, la commu, la commu, tout, tout, la commu, la commu, la commu, la commu, la commu. Ok, t'es plus kill. Je l'avais eu. Ah, je l'avais eu, je l'avais eu, je l'avais eu. You like my shotgun in your face? I like the shotgun in my face. Gorilla synthético. Cette commu a de graves problèmes mentaux, sérieux. On fait combien? 72-30. Bon, bah, c'était quand même très énervé. Bon, la team Trust, hein, inutile que je dise ce que je pense de vous foncièrement parce que vous êtes vraiment des hommes de basse vertu. Bon, et ben, allez, potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a quand même fait un gameplay sympa. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire comme d'habitude à partager. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous!